Allez, un petit café, on attaque la vidéo directement. Alors, j'ai fait cette vidéo pour montrer mon salaire en 2023. Parce que j'avais déjà fait une vidéo sur mon salaire en 2022. C'est ça, je crois, je l'ai sorti en juin 2022. Et là, il y a eu pas mal d'augmentations. Enfin, pas mal, il y a eu 9% d'augmentation, je crois. J'ai fait aussi une vidéo qui parlait de l'avantage et l'inconvénient de ce métier. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler que des chiffres directement. Voilà ma fiche de paye. Actuellement, on est en fin mars 2023 et moi je suis payé à la convention, donc mon salaire tu peux le trouver sur internet. De toute façon, il y a une barème de salaire. Donc moi j'ai 5 ans d'ancienneté, tu vois, et je gagne 12,26 € de l'heure. Je suis en coefficient 150. Ouais, du coup je gagne 100, 126, 126, 12,26 € de l'heure. Par rapport à l'année dernière, au moment où j'ai fait la vidéo, j'ai gagné 11,45 € de l'or, je crois, il me semble. En termes de panier repas, on a eu aussi l'augmentation. On passait de 14 et quelques à 15,20 €. Et au total, le 2 repas plus les découchés, on était à 60 €, je crois, il me semble. Et là, on passe à 63 €. Et je vais te montrer aussi le salaire que j'ai gagné en 2022. Attends, moi 2 secondes que j'active l'enregistrement. Alors en 2021, j'ai gagné 31 500 sur mon salaire. Et j'ai touché 2 200 € de congé. Ça me fait 33 700 et quelques divisé par 12. Ça fait environ 2 800 € net dans ta poche. Et voilà, 2022, avec mes dépenses entrées. Voilà, en 2022, j'ai gagné 30 000 € plus 2 200 € de congés. Ça me fait 32 500 divisé par 12, ça fait 2 700 € en moyenne. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer des chiffres. Et si t'es intéressé à ce métier, bah tu peux regarder d'autres vidéos de ma chaîne YouTube. Je te montre mes galères et tout. Allez, passez une bonne journée les gars. Bon courage, ciao ciao.